Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Uncharted 1. Oh, j'ai du mal moi aujourd'hui. On va continuer. Donc, c'était le poste de douane. On peut pas rentrer là-dedans. On peut vraiment pas rentrer. Donc. Ouais, non, ok, d'accord, on peut pas. Je l'ai vu la porte hein, au cas où, mais je veux voir si on peut pas aller quelque part. Collette. Ok, y a rien. Y a rien. Donc. Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, hey, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Callao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombe, en fait. Juste là. Statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Wow. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Hein? Il n'y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial? Quoi? Ah. Ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Hein? Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sic parvis magna. La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596. Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. Ah, j'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. Ok, donc... Okay. Bah voilà les marches tout simplement. Ok. Je croyais que la musique vous pouvait signifier quelque chose. Mais... Ah mais elle est armée. Ah ok, je savais pas. Peut-être que ça a été dit. Que là pour le coup les 9 premiers épisodes ont été tournés à la suite, mais là c'est cet épisode là je ne le... il est tourné après en fait, il a pas été tourné à la suite. Sur la barre, donc j'ai oublié certains détails et je suis encore pas très concentré parce que je me suis un peu fait prendre par surprise, donc là je vais me mettre à couvert. Hein. Il est là. Ceinture en pleine tête, cool. J'obtiens voilà les trophées comme ça. Oh,
Il n'y a pas de munitions dans le coin. Oh, 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 oh. C'était dangereux. Elle m'a fait peur, elle. T'as eu le mec. Bon, la dernière elle était gratuite, hein. C'est juste parce que voilà, j'en ai plus utilité, je pense. Et je tiens à garder la cape parce que c'est là. J'ai entendu des voix. Ah! Ok, donc en gros, faut que je me dépêche. Faut pas trop que je traîne. Non, Elena. Ah. Je vois pas de bateau, Nate. On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. De l'autre côté du port. Allez. Eh, tu sais quoi? Pourquoi j'attendrais pas ici que tu... que tu reviennes me chercher? Ok. Qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien. Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Bon, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. J'aimerais pas que Nate y vienne chez moi, tiens, parce que s'il ouvre les serrures comme ça. Ok, d'accord, c'était un petit coup. Wouah, ok. Voilà, il y a une serrure. Là, je vais essayer de faire attention à tout ce qu'il y a, à n'importe quel détail. Parce que là, je me fais tirer dessus. Donc, allez, mais cours! Pris au piège. Je pense pas être pris au piège très longtemps. Voilà, là, il y a des munitions. En gros, ça veut dire tu vas te bastonner, mon coco. Oh yes, une M4. On est d'accord, c'est... Ouais, c'est une M4. Ça, c'est une de mes armes préférées, en vrai. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vider mon AK, hein, pour pas leur laisser. Ok, d'accord. Non, bah non, j'ai encore la quête du coup. Ah zut.
Attendez, faut absolument que je tue le mec qui est là-haut là. Oula, y'a un mec là-bas. Ah ouais, non, je me suis fait prendre au piège bêtement. Ça, c'est comme les armes, c'est ça, et ça. Ah, là, ça m'a complètement. Enfin, pas perturbé, mais distrait de voir une M4. Mais. J'ai des grenades, pourquoi je les utilise pas? Oh my god. Attendez, parce que je sais qu'il y en a un là-bas du coup. Il va venir là-bas. Bon, le mec qui est là-haut, clairement, je vais me tuer. Hein. Voilà. Il est pas mort le mec là-haut. Oh non. Oh, oh non, pas ça. Oh, tu te fous de moi ou quoi? Ah! Alors, je vous explique ce que j'ai tenté de faire. J'ai tenté le speedrun, comme vous l'avez vu, vers la grosse mitrailleuse. Bien. Quoi, t'es pas mort? Non. Ok, alors, me reconcentrer. Voilà, je recharge. Ok, donc là il y en a. Oh, faut que je me calme parce que là il y a la grosse mitrailleuse, donc oh Rambo, tu vas te calmer. Il est à sec, pas pour très longtemps mon quoi. Attends, je récupère ma vie, on va voir qui c'est le boulet.
Mais attendez, non, je suis à découvert là. Je suis pas sûr. Hein. Enfin bon, d'accord. Si vous voulez, supposons. Voilà. Mais tu survis pas toi là-bas. Vas-y, remonte ta petite tête que je te défonce. Voilà, j'ai dit quoi? J'ai dit tu meurs, donc tu meurs. Je suis mort. Moi, je suis mort. Je me suis pas mis à couvert. Attends, là c'est de ma faute. Mais ah ouais. Tu meurs. Voilà, c'est tout. Ensuite, au suivant. Je passe en mode je rigole plus là. Tout à l'heure, j'ai lancé mon éclair sur la map. Oh, calmez le gars là. Il faut savoir que cette arme là en vrai, la M4 là, elle a un recul de taré tout simplement, donc c'est même bizarre qu'il épaule pas, parce que tu peux pas tenir une arme comme ça en vrai, enfin avec un recul aussi énorme. Mets-toi à couvert. Oh non. Mais oh merde. Speedrun. Il est hors de question que je meurs maintenant. Il y en a un autre là-bas. C'est tout. J'ai vu des munitions là-bas, je vais aller les récupérer. Des greux.
Ça fait pas de mal. Il est quand même beau graphiquement le jeu parce que, enfin, je sais pas en quelle année il a été fait, mais il doit être assez vieux, je pense. Mais il est assez beau. Bon, donc, j'ai une de mes armes favorites, je vais pas prendre une AK, c'est bon. Pas prendre une arme que j'aime pas. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, le SWAT en Amérique, ils ont une M4 aussi. C'est bon, je peux descendre. Non, ça se voit. Ça doit être pour la suite, je pense. Parce qu'il ne serait pas une porte comme ça. Chargez tout ça sur le bateau. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate. Mais qu'est-ce que t'as? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi? N'oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... Salut. Il est vivant. Je sais pas, Nate. Mais bon... Tu lui fais vraiment confiance? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. C'est bizarre. Mais non. Celui-là a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok. Ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'il bosse pour eux? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Je pense pas qu'il aurait fait ça, celui. Merci. Oh ouais, non. Déjà. J'essaie d'économiser un peu mes balles d'M4 parce que j'en ai pas beaucoup. D'accord, il y a. C'est quoi? Oh! Stylé. Je préfère quand même ma M4. La canon. Ah ok, d'accord. Pièce d'or espagnole. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que les Espagnols sont passés dans le coin. Pourquoi pas avoir des munitions d'M4 plutôt? Munitions de pistolet. De pistolet, ça va bien. Ouais, c'est bon, je recherche. On paraît combien que ça va tomber? Comment un truc pareil a pu arriver? Tu vois ces traces? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Oh. Fais attention, certaines de ces planches sont carrément pourries. Elena, j'y arrive pas! Donne-moi ton autre main! Il faut que tu la lâches! Mais merde! Ah.
Qu'est-ce que j'avais dit? C'était obligé. En général, quand il y a des ponts suspendus comme ça, c'est obligé que ça tombe. Ok, d'accord, c'est pas là. C'est dans tous les jeux pareil. Tous les jeux films. Alors, se demander des fois pourquoi je vise comme ça dans le vide, c'est parce que la caméra me permet pas de monter, donc je le fais avec l'arme. J'ai découvert ça dans un épisode, je sais plus lequel. Un truc qui brille, ouais. C'est... Calice espagnol en argent. Oh. Bah, il a dû bien servir, dis donc. Ouais, il a dû servir parce que vu comment il est abîmé. Yes. Moi je suis d'avis à bah, rester où on est, hein, pas vraiment envie de sauter là-dedans. Si on est obligé. Bon d'accord, je me casse. C'est par où? Ça par où? Faut pas descendre là des fois. Non, on meurt. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais. C'est par où? C'est par où? Ah, d'accord, c'est du... Ah, ok, c'était tout aussi bête que ça. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Vous voyez là, je peux pas aller vers le bas et je vise et je peux. Donc c'est pour ça des fois que je vise pour. Oui. Il y a un bateau là-bas. Ah hop, et une mission sortie. En même temps, t'as un peu calé, hein. Allez, sors ta tête. Pas des munitions. Et viens là avec ton AK toi. J'ai vu un truc qui brille. Voilà, j'avais pas rêvé. Quati en or. What? C'est pas... C'est bizarre ce truc là. Ouais non, je... Bah c'est un quati mais je sais pas vraiment ce que... Que c'est enfin quoi ça peut correspondre. Par contre tu pourrais tirer toi dans, en tant qu'IA, tu dois avoir munitions à l'infini je présume, donc si tu pouvais tirer un petit peu ça m'arrangerait. Ya yeah. Oh non, elle est où la greffe? Il se suicide entre eux, enfin ils se suicident. Des fois j'ai l'impression que c'est même plus des ennemis, c'est des kamikazes. Donc puisqu'apparemment on n'est pas prêt de ravoir une M4, je vais devoir reprendre l'AK. Hein. Cette rivière devrait nous mener au monastère. En remontant la rivière. Je pense qu'on va faire ce chapitre et on va arrêter l'épisode là. Parce que ça va faire un peu long après. Alors, oh non. Non. Oh non, pas le jet ski.
Ok, donc là c'est quoi du tout, okay. Donc c'est en remontant la rivière, donc je vais voir ce qu'il y a par là-bas. Voilà, cul de sac. Je voulais voir au cas où il y avait des trésors ou... truc comme ça. Je sens qu'il va falloir tirer parce que... pour que... comment elle s'appelle ? Elena, elle soit encore armée. Ça lock auto en plus, j'ai l'impression. Ah ouais, mais en fait là j'appuie juste sur la touche tirer en fait. Ah ouais, si j'avais su ça avant. C'est tellement plus simple. Ah ouais, d'accord, j'arrête de viser. Oh ah, je pensais que ça pouvait passer, mais non. Ah, c'est bon, on peut toute la rivière. Ah bah, j'avais cru voir un truc, mais ça devait être une illusion de... Comme ça ? C'est là qu'on s'arrête ? Et stylé la rivière. Oui. Ah non. Non, non, oui. Voilà, ici. Ouah, il a du mal au dé. Yo yo. Voilà. C'est pas un tonneau qui va me tuer. D'ailleurs, ils viennent d'où tous ces tonneaux explosifs là d'ailleurs? Parce que... on va pas me dire que c'est la nature qui les a fait, hein. J'aurais un petit peu du mal à y croire. Oh non! Je vais rester un petit peu là, voilà, c'est bon, j'ai repris ma vie. Ah,
Okay, speed, speed, speed. J'ai l'impression que c'est des snipers qu'ils ont. Ça fait tellement mal. Ok, il y a une espèce de quai là, donc c'est ici qu'il faut s'arrêter, je présume. Merci. Tout va bien ? Ok. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe. Et bah, quoi qu'il arrive, nous irons voir ce qui se passe dans ce monastère ou sanctuaire. Dans le prochain épisode. Donc, j'espère que celui-ci vous aura plu. Moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Et bien sûr, la suite d'Uncharted. Salut tout le monde. Ciao, ciao.